Bon les amis, début de journée, je viens de prendre mon petit déj. Ce matin, on tente l'expérience footing kényan. C'est pas fartlek kényan, hein, parce que là, on est encore un peu en acclimatation. On va pas faire les fous. Et là, c'est le footing kényan. Ça va être un groupe de 40-50 kényans, et puis on va les suivre. Après, eux, le footing, en général, c'est progressif. Ils commencent dans les 5-30, très doucement pour s'échauffer. Puis après, ça peut finir à 3-50, 3-40. Bon, on sait pas trop, mais nous, on va se gérer en tout cas. Au pire, on restera avec les filles ou les groupes à l'arrière. Mais voilà, on va tenter l'expérience et Vando, il va nous suivre à vélo, donc je vais vous partager tout ça tout de suite. Bon les gars, discours du coach, on parle pas trop fort. Comme vous pouvez voir, il y a bien 40 ou 50 kényans là, c'est incroyable. Le coach il va faire le discours, après c'est la prière et après on part. Donc voilà, je vais vous faire vivre ça les amis. Hein. Mais bon, pour nous c'est easy. Les mecs ils ont commencé à venir nous chauffer. Tu sais, ils voient on est blanc et tout. Ils nous disaient kill Kenyan machin pour qu'on les passe devant eux et tout. Mais non, easy. C'est encore l'acclimatation. Faut pas faire les fous. Là les gars, on est avec le groupe des femmes, tranquille. Bon les gars, ça y est. 18 bornes, on a fini. Grand merci aux Kenyans, aux Kenyans. Franchement, ils sont super cool, super accueillants. On a bien rigolé. Donc, c'était un vrai moment de partage. Et c'est pour ça aussi que je suis venu ici. Donc, à refaire, on va refaire ça. Il y a eu des variations d'allure et tout, c'était cool. Un peu d'accélération, mais on a été intelligent avec Max. Et ça fera une belle sortie là, presque 20 bornes. Donc voilà, très bonne expérience en tout cas, j'espère que vous avez kiffé les images les gars. Mais il y en aura plein d'autres comme ça. Donc le like, l'abonnement, le commentaire pour me soutenir. Allez, on se retrouve plus tard. Des fois on était à 5 dans les côtes. Non, avec Max on a bien géré l'effort. Parce que les mecs de ouais c'est parti quoi, 3:30 les gars devant. Ouais, 3:45 je pense. Assez rapidement ou vers la fin? Ouais non, ils sont partis tout de suite à 4 kills. Ah direct là? Ouais, avec Max on a dit c'est bon. Ah bah, on était pas avec deux femmes, franchement bien. Ils ont pété les stagiaires là. Allez, je vais voir maintenant électrolyte, gel. Les amis, sinon, je voulais aussi faire un point par rapport à l'acclimatation, parce que je pense que je vais avoir des questions à ce sujet-là. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est la première fois que j'allais en altitude m'entraîner, et là, bah, je réagis plutôt bien à l'altitude, donc je suis vraiment content. Et ce que j'ai fait, en fait, vraiment pour traquer un petit peu l'évolution de tout ça, de l'acclimatation, c'est que j'ai utilisé mon brassard de fréquence cardiaque Coros avec ma Pace 3, et sur chacune de mes sorties, bah, je traquais la fréquence cardiaque. Et là, pour vous citer un exemple, bah, par exemple, il y a 4 jours, quand je suis arrivé sur mon premier jog, j'avais fait 12 km, 4,49 d'allure moyenne, donc assez cool, c'était assez plat aussi. Et si je regarde le détail de la fréquence cardiaque, donc là tu vois par exemple, je suis monté à 140, 145, 144,
et j'avais plutôt une FC moyenne dans les 140 sur du 4,49. Et là aujourd'hui, après la séance de 19 km, donc beaucoup plus, avec une allure moyenne de 4,37, mais on a fait 1 kg en 3,50, plusieurs kilos en 4,10, donc c'était plus intensif que ce que j'ai fait il y a 4 jours, bah, on remarque que j'ai une FC moyenne de 127 BPM, donc c'est beaucoup plus bas. Et on remarque aussi, si je prends le détail des kilomètres, que voilà, je passe des kilomètres avec moins de 130 en FC, même sur des côtes. Certains, je suis à 125, 124, 128. Et bah, ça veut dire que mon corps commence à s'habituer à l'altitude et que bah, j'ai perdu 10 BPM par rapport à il y a 4 jours. Donc là, je pense que je commence vraiment à être bien acclimaté et ça n'a pas pris énormément de temps finalement. Donc ça fait vraiment plaisir. J'ai vraiment hâte de claquer ma première séance et voir un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, faut pas non plus que je me précipite. Je reste patient. Et la première séance, je pense que ça sera au bout de 6 ou 7 jours après être arrivé ici. Bon les amis, on va aller à Iten et là on est devant le running shop d'Iten. Regardez-moi ça. Ça négocie sec là. On va dévaliser le magasin là. Il y a des trucs en L ou pas? Oui. Il y a quoi? Ah, on veut un truc en L? Pour papa, parce que papa vas-y, est vas-y. Hein. Moi j'ai craqué sur la petite veste Kenya. Tu l'as pris, bon, désolé Oka, mais j'ai craqué sur la petite veste Kenya. Ah, ici c'est le mythique bracelet Kenya. Regardez-moi ça là. On va aller acheter du bracelet kényan là. Ah, il faut partir. Putain, ça vend même des gels. Là, on est dans le running shop de luxe là. Là, il y a l'air conditionné et tout, ça rigole pas. Hein. Les chaussures en vitrine. C'est la viande là. Ah ouais. La bonne viande. Ah bah voilà, on arrive devant l'arche. C'est l'arche d'Iten, les gars. Voilà, les gars, la mythique arche. On y est. Jogo shop, Jogo shop. Oh, il y a de la veste là aussi. Ouganda. Là on a de la veste Kenya, on va voir si elle est moins chère que dans les... Ah ouais. Il fait chaud dedans. Ah, y a tout. Même les chaussures. Ouais, on essaye la veste. Oh, beau gosse. Voilà. Allez, dites en commentaire là. Les gars là. À 50 piges, première veste. Marathon du Beaujolais en veste Kenya. Regardez-moi ça là. Elle va bien. Ah ouais. 8 000, on va négocier. 10 000, 10 000 elle a dit. Devant plus belle la vie à 20h, tu vas être au top. On va négocier. Je pense que ma femme elle va être contente de voir revenir ensemble. Ah là là, le beau gosse. Ça, je pense que. Ah mais, puis franchement. Incroyable, ouais, fallait montrer. C'est les Crocs Kenya ça, elles sont assorties à la veste. Ah, c'est bien. Oh putain. So maybe 8 it will be. On a de la chose là aussi. Ah les gars, prochain meeting, on met ça ou quoi? Prochain meeting régional. Pour courir 3,50. Oh, ça c'est réservé aux pros. Hein. Ne mettez pas ça. Les gars, on retire là. On braque la banque. On braque la banque. Ça y est, je suis un Kenyan riche. Ouais, ça part. Ça part en moto. Ça part en moto, les gars. Eh, hey, bro. Ça part en moto direct. Oh putain. Vas-y! Speed! Nice! On est avec le pilote là, ouais, sans ça. Casque! Bien sûr, à ne pas reproduire sans casque! Yeah, bro! Oh putain! Incroyable! Ah, ils voient les blancs becs sur la moto là! On passe en bas, en moto, sous l'arche.
gars, il est 7h du mat, je viens de finir mon petit déj. Et bah là, ce matin, c'est la première séance du stage. Je suis à J+7. Je commence à être bien acclimaté, je pense. Ma fréquence cardiaque a bien baissé. Et sur les footings, bah, ça se passe plutôt bien. Donc maintenant, c'est le grand moment. On va faire une séance 20 x 400 ce matin avec Max, Julien. Il y a Romain aussi avec nous. Donc voilà, on va être un bon groupe. 20 x 400, je pense qu'on va commencer dans les 1-10, 1-12, pas plus rapide. Et puis après, on va aller vers les peut-être 1-7, dans ces eaux-là. On verra ce que ça donne avec une minute de récup. Et quoi qu'il en soit, ce matin, on va aussi découvrir le Kipchoge Stadium. Comme vous pouvez le voir, on a le petit matatou. C'est les vannes qui transportent les gens ici. Ça s'appelle des matatous. Et bah voilà, on va tous rentrer dedans. Je vais vous montrer toute ma matinée au Kipchoge Stadium, la séance. Je pense que ça va être incroyable. Là, pour le moment, il y a un peu de vent, mais bon, on s'en fout. On va avoir un bon groupe. Ça va être un bon moment. Donc les amis, je vous montre tout ça. C'est parti pour la première séance. C'est bon, on y est les amis, Kipchoge Stadium. Ah, là-bas ils font les gammes. Ils font les gammes spéciales kényans au milieu là. Les gammes que j'arriverai jamais à faire moi. Les amis, ça y est, on a fini l'échauffement, donc là on va partir pour la séance. Comme je disais tout à l'heure, on a 20 x 400, récup 1 minute. On va commencer dans les 1 minute 12 et tous les 5 blocs, je pense qu'on va baisser un petit peu. Donc on va peut-être faire 1-12, 1-10, finir dans les 1-7, on verra comment ça se passe. Moi je t'avoue, je suis un peu stressé, c'est ma première séance en altitude. Peut-être que je vais en tenir que 10 et qu'après je serai tout seul, peut-être pas. Là je vais être avec Max, Julien, Romain et voilà, on va essayer de faire un petit pack et de se passer les relais. Donc voilà, en tout cas, super cadre ici et j'espère que la séance va bien se passer. Je vous montre des belles images et on se reprend pour le débrief à la fin.
les amis, ça y est, c'est en se terminer. Franchement, je suis super content. On était en wagon là, tous les cinq. Donc incroyable, elle s'est super bien passée. L'acclimatation, c'est nickel. Je ressentais même pas l'altitude, donc c'est vraiment positif. On a commencé du coup dans les 1-9, 1-8 tout de suite. C'est difficile de se calibrer ici, puis surtout quand on est en groupe. Et puis on est allé jusqu'à 1-6 sur les tout derniers. Et le tout dernier en 1-3 les gars, le dernier en 1-3. Et là, je suis super bien. On a pris une minute de récup. Bon, la récup ici, vu que c'est l'altitude, on a tendance plutôt à marcher, à rester tranquille, plutôt que trottiner comme en France. Mais vraiment refait de la séance. Merci aux gars, en tout cas, avec qui j'ai fait la séance, Max, Romain, Johan et Julien. Franchement, c'était incroyable. Puis faire une séance dans ce cadre-là, en groupe, c'est magnifique, quoi. C'est un rêve. Tu peux que réussir ta séance ici. Regardez-moi ça. Donc voilà les gars, maintenant on va aller faire la récup tranquillement, 4 km. Et puis après on va se rendre au centre commercial d'Eldorette et on va se faire un petit resto. Donc je vais vous filmer ça, je vous emmène avec moi. Je vous fais vivre tout mon stage les amis, j'espère que ça vous plaît. Et si c'est le cas, bah, le petit pouce, hein, je vous le redis, mais le petit pouce, le petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne aussi. Ça me soutient énormément et puis on se retrouve plus tard. Les amis, ça y est, séance terminée comme on dit après l'effort le récup. Donc là on va manger, on est au centre commercial d'Eldorette. C'est assez stylé hein. Moi on se croirait chez nous la limite. Il y a plein de boutiques et tout. Donc, voilà. On va voir ce qu'on peut manger ici. C'est la première fois que je viens ici. Les autres ils ont plus l'habitude, mais en tout cas j'ai bien faim. Hein. Ça y est, on est au massage kényan. J'attendais ce moment avec impatience parce que bon, à chaque fois que je passais devant la fenêtre, tout le monde criait et tout le monde me dit que c'est horrible et tout sur le coup. Mais bon, pour l'instant ça va, c'est le début, mais je suis avec Jacob. YouTube, abonnez-vous à la chaîne. This is massage of Kenya. You can say, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Yeah. Jacob, c'est le boss. Jacob, il se bosse. Et ça va me faire du bien. On va voir. On va essayer de faire des massages plusieurs fois par semaine. On en profite, mais là, c'est pas des massages de chochotte. Hein. C'est pas des massages comme il y a dans les spas et tout. Hein. Mais ça va faire du bien, ça va faire du bien. Il est 19h, c'est l'heure de manger et ce soir, petit dessert spécial. Donc je voulais remercier Julien et les cuisiniers du Renix Athletic Center puisque à l'occasion des 10 000 abonnés, bah, on nous a fait un petit gâteau. Donc voilà, petit gâteau spécial pour les 10 000 abonnés. Donc on va voir ça tout de suite. En tout cas, moi j'ai bien faim, donc j'espère que le gâteau il sera bon, mais j'ai pas de doute. Allez, je vous montre ça. Photo. Merci, thank you. Ouais.
ça fait toujours plaisir en vrai. Bah ouais. C'est mon trophée YouTube des 10 000, vu qu'il n'y en a pas. Bon les amis, là je m'apprête à partir pour ma deuxième séance un peu plus longue. Vous la verrez d'ailleurs dans le vlog 3. Donc c'est terminé pour ce vlog numéro 2. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, le petit pouce, le petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne pour me soutenir. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao !